Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette merveilleuse patinoire qui est le Globe Arena de Stockholm, où va débuter aujourd'hui le tour final de ces championnats du monde de 1989, avec un programme alors assez intéressant, assez passionnant, puisque nous allons suivre dans quelques instants un match entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie, et que ce soir il y aura le match Suède-Canada. Des rencontres qui s'annoncent passionnantes et disputées. L'Olympique l'année passée à Calgary. Le patinoire assez exceptionnel, c'est une sphère dans laquelle on a 14 000 spectateurs, une sphère d'ailleurs qui est destinée à toutes sortes de manifestations. Pour vous donner quelques idées, il y aura tout d'abord les championnats d'Europe de gymnastique à partir de la semaine prochaine. Et puis au mois de juin, il y aura la venue du pape ici dans ce Globe Arena. Il y aura également la venue de Pink Floyd, il y aura Diana Ross. Enfin, vous voyez différentes sortes de manifestations et spectacles. Alors, c'est évidemment une patinoire absolument extraordinaire. Un peu un théâtre avec des loges, avec un bloc puisque Kazatonov ne joue plus du côté de Fetisov. Il y aura donc Chiriaïev et Fetisov avec en ligne d'attaque Makarov, Larionov et Krutov, là, pas de changement, pas de modification. Le troisième bloc est composé de Goussarov et de Biakin derrière, avec Mogilny. Mogilny, dont on dit le plus grand bien et qui a déjà réalisé deux ou trois trucs ici. Et donc Mogilny, Fedorov et Yashin. Et la quatrième ligne est composée de Kvartalnov, Nemchinov et Milev. Et puis l'équipe tchécoslovaque qui apparaît maintenant sur votre écran avec Dominika Šek dans les buts. Staviana et Sherban formeront la première ligne derrière, avec Zvitek, Rudziska et Siger en ligne d'attaque. Le deuxième bloc devrait apparaître, avec Prochaska et Pacha derrière, Janetsky, Kron et Seijba en ligne d'attaque. Et puis dans le troisième bloc, on va découvrir qu'il y a Draomir Kadlec, qu'il y a Goudas derrière, et puis ligne d'attaque avec Valek, Kuchera et Vlach. Et vous constatez qu'il y a passablement de nouveaux joueurs. Ils ne sont que 13 Tchécoslovaques à avoir participé aux Jeux Olympiques l'année passée à Calgary. La quatrième ligne d'attaque de l'équipe tchécoslovaque est composée de Jelinek, de Hašák et de Doležal. Alors on rappellera que dans le tour préliminaire, ces deux équipes se sont déjà rencontrées avec la victoire de l'Union soviétique, avec un seul but d'avance. Donc un match serré. Et puis les matchs entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique ont toujours apporté quelque chose de particulier, même si cela est un peu moins évident maintenant. L'arbitre de la rencontre sera l'Américain Hearn. Et les équipes entrent maintenant sur la glace. Avec tout d'abord l'équipe tchécoslovaque, mais vous avez toujours la formation de l'équipe soviétique sur votre image. L'équipe tchécoslovaque qui va évoluer en rouge, alors que les soviétiques, eux, seront en blanc et rouge. Et puis encore quelques informations concernant le congrès de la Fédération internationale de hockey sur glace qui a eu lieu aujourd'hui. Alors là, on a confirmé bien sûr les championnats du monde du groupe A l'année prochaine à Berne et à Fribourg. Et puis les championnats du monde du groupe B qui intéressent la Suisse, vous le savez. Eh bien ces championnats auront lieu du 29 mars au 9 avril prochain à Megève et à Chamonix, en France donc, tout près de Genève. L'image Rob Hearn, donc l'arbitre américain, avec M. Lörting et Enerstedt, des deux juges de ligne suédois. Un mélange assez réussi de jeunes joueurs et d'anciens joueurs. Dominika Šek dans les buts. Dominika Šek, le joueur de Tesla, le gardien de Tesla Pardubice,
Alors que pour ce tour final, les équipes repartent avec 0 points. Ce n'est pas le cas pour le tour contre la relégation. Tour contre la relégation qui a vu hier ses deux premières rencontres. L'Allemagne de l'Ouest a été battue par la Finlande 3-0. La Pologne a subi la loi des États-Unis 11-2. Et l'équipe qui sera reléguée, eh bien, ce sera soit la Pologne, soit l'Allemagne. Morale, c'est une équipe allemande qui nous a assez déçus hier face à la Finlande. Mais ce match entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie a débuté maintenant. Première rencontre donc du tour final de ces championnats du monde. Je vous rappelle que l'Union soviétique était également devenue championne d'Europe il y a deux jours. Chiaïev, Larionov, Chiaïev au centre, Krutov, Krutov toujours, Makarov. Makarov pour Krutov qui manque. Et les Tchécoslovaques qui repartent. Rudziska, Vitek. Larionov, Larionov qui perd le puck. Larionov à nouveau. Pour Chiriaïev, toujours le premier bloc sur la glace. Robert Krohn pour l'équipe tchécoslovaque. Un tir qui sort de la patinoire. Novitché comme le gardien à chèque. Krohn. Chronoprise avec Kazatonov et finalement les soviétiques peuvent repartir. Bykov, Kamensky à la ligne, Romutov, Bykov, Kamensky est peut-être la plus dangereuse maintenant de l'équipe d'Union soviétique. Krohn. Kamensky avec Prochatka. Tchécoslovaque, Pacha. Et puis un tir assez violent de Biakin, Janetsky, Bacha, et puis un nouveau soviétique, Yashin, Yashin au centre, et l'occasion est belle, Bykov fait signer une pénalité. Première pénalité contre un joueur tchécoslovaque. Après 2 minutes 4 secondes de jeu, Bacha qui s'en va sur le banc. Bacha, joueur de Košice. Et le match a repris avec 5 soviétiques contre 4 tchécoslovaques donc. C'est la quatrième ligne d'attaque soviétique qui est sur la glace. Gouzarov. Et les Tchécoslovaques qui sortent ce puck de leur zone. Gusarov encore. Mogilny. Krutov qui est entré. Encore 1 minute et 16 secondes de pénalité contre Bacha. Toujours 0 après 2 minutes 49. Engagement sur la gauche des buts de Hachek. Et dégagement de Sherban. Fetisov, Krutov. Alors Krutov qui perd le puck. Sur Hachak. Et le Tchécoslovaque qui parvient à la conserver, ça peut qu'Hachak encore. Fetisov. Chef n'arrive pas. Makarov. Sergei Makarov. Toujours. Alors Makarov. Krutov. Fetisov, le puck est toujours jouable, Chiaïev, oh c'est au centre pour Makarov, Fetisov, Makarov encore, Chiaïev, Larionov, L-
Lionoff, Fetisov, Fotov et Dominique Hašek qui peut bloquer à 3 secondes de la fin de la pénalité de Bacha. Voilà les deux équipes au complet. Et le puck est soviétique. Kazatanov. Rupture, ça n'ira pas loin. Les Tchécoslovaques à nouveau, un tir. Alors on engage pratiquement sur la ligne rouge. Bykov est à l'engagement pour l'Union soviétique. Gusarov. Gusarov encore. Biakin. Biakin perdu par les soviétiques, mais Gusarov va pouvoir le récupérer. Gusarov. Biakin. Prochaska. Saïba. Janetsky. Kron pour les Tchécoslovaques. Et 2 minutes. 2 minutes contre Kron. Le puck est toujours soviétique, Milnikov a quitté sa cage, voilà l'arbitre va siffler. Et Kron s'en va sur le banc pour 2 minutes. Un joueur de Dukla Trenčín, Robert Kron. Alors 4 Tchécoslovaques à nouveau contre 5 soviétiques. C'est Zof Yashin. Yashin Mogilny. Fedorov. Et un puck dégagé par Kuchera, par Jiri Kuchera. Yashin. Fedorov. Yashin encore, Chayayev, Fetisov. Ah, Fetisov qui remet à gauche pour Yashin. C'était bien joué, Yashin qui peut récupérer. Chiriaïev encore. Encore 50 secondes de pénalité. Une déviation. Yashin toujours. Fetisov. Fedorov, Yashin qui laisse pour Makarov qui est entré. Chiriaïev. Chiriaïev. Et le puck est ressorti de la zone par l'équipe tchécoslovaque, pas pour très longtemps sans doute. Et en jeu. Après 7 minutes 29 de jeu dans ce premier tiers-temps, toujours 0-0. Kron dans 7 secondes sur la glace à nouveau. Viktor Tikhonov ici. À Fedorov.
qu'il y a quelques problèmes d'image. Alors Mogilny qui peut bloquer devant Donéjal. Fetisov, Pokrovski se va à nouveau. Kadlet, Goudas, le puck n'est pas sorti. Line-off, Makarov. Fetisov encore. Un tir bien capté par... Encore 5 minutes 45. 3 minutes 45, pardon. Larionov, Makarov, Krotov, Fetisov, et déviation à chaque qui peut recapter. Alors, arrêt acrobatique de Dominique. Belle action cette fois-ci du premier bloc soviétique, qui n'a plus sa superbe habituelle. Déviation de Makarov juste devant Hachek, et Hachek en deux sens qui parvient à capter l'époque. Et ce n'est pas terminé peut-être. Nemtsov. À 2 minutes contre Batchak qui a déplacé. La cage, semble-t-il. Pochatka. Alors, pour avoir retenu qu'il est pénalisé, Pochatka. Troisième pénalité donc contre l'équipe tchécoslovaque. Et c'est le deuxième bloc soviétique qui est sur la glace. Kanatanov, Konstantinov. Ah, Konstantinov qui manque sa passe, il peut récupérer. Kamensky. Kazatonov, Romutov, Bikov, Kazatonov, Konstantinov, Kamensky, Romutov contre la bande, Kamensky, Bikov toujours, powerplay des soviétiques. Romutov. Moutov toujours. Kazatanov, Bikov, Romutov. C'était bien joué, Kamensky. Ce n'est pas terminé. Bikov, Kamensky. Kazatanov. Encore Romutov. Kazatanov. Un tir à côté de la cage, Konstantinov. Et le Tchécoslovaque qui repart. Et en tout cas, qui parviennent à ressortir le puck de leur zone de défense. Encore 15 secondes de pénalité contre Pochatka. Yachin. Fedorov. Goussarov, les deux équipes au complet, Fedorov, époque ressortie à nouveau de la zone de défense, Goussarov.
Alors la pression soviétique a été assez importante durant ces deux minutes, mais toujours 0-0. À une minute exactement, vous le voyez, de la fin de cette première période. Jelinek. Jelinek encore. Yashin qui ne passera pas. Vitek. À chaque. Vitek encore. Encore une vingtaine de secondes. Bochatka. Gusarov, Piakin. On va vraisemblablement rester à 0-0. À l'issue de cette première période qui n'aura pas été très enthousiasmante, il faut bien en convenir. Un match pour l'instant assez moyen, assez terne. Pas de but en tout cas à l'issue des 20 premières minutes. Alors je vous propose de vous retrouver dans 15 minutes à peu près pour le deuxième tiers. Union soviétique. De cette deuxième période. Avec un peu sur la crosse de Chef et puis Stayana maintenant. Taïwan encore, époque soviétique. Chiaïaïev. Marionov, Makarov. Fetisov sur la gauche. Fetisov qui essaye de passer. Il se heurte à Staviana. Arrivée de Krutov. Et l'époque sur la course de Rujitska. Sherban. Fetisov. Chief. Makarov. Saïba. Saïba Tchanetsky. Kron. Michaïev a été le plus rapide. Michaïev, Fetisov. Et dégagement interdit. Non, pas de dégagement interdit. Ah bon, le touché par un joueur soviétique alors. Kamensky. Bikov. Romutov n'arrivera pas. Puck dégagé par Kron. Kazatonov. Kamensky. Valek. Kazatonov. Bikov. Et un tir capté par Sergei Melnikov. À l'avantage, engagement à l'avantage des soviétiques, mais puck perdu maintenant. Et récupéré. Mogilny. Doležal. Fedorov. Biakin. Gusarov, merci de Doležal, puck à nouveau soviétique.
Dolgin. Droite, Saviana. Jelinek au centre. Bacha. Melnikov sans problème sur ce tir de Bacha. Et c'est Biakin qui peut renvoyer pour l'Union soviétique. Ils sont deux seulement les soviétiques. Fedorov. Mogilny. Très bon tir de Mogilny. Non moins bel arrêt de Hachek. Belle combinaison entre Fedorov et Mogilny. Fedorov, Mogilny, l'angle était fermé. On joue depuis 3 minutes 43. Et ils sont 2 contre 2 maintenant. Vitek. Vitek qui pousse un peu trop son puck. Boudicca doit laisser sa place à Siger. Prochaska. Prochaska, Bacha. Chiaïev. Fetisov. Minev. Vitek, Rudzicka. Vitek au centre, Rudzicka. Ça aurait pu être dangereux. Rudzicka encore, et puis les soviétiques maintenant. Minev, Bacha, Prochaska. Rudzicka. Prochaska encore, petite déviation du patin. Et dégagement interdit. Le jeu dans cette deuxième période. Un tir à chaque protégé par Goudas. Et puis il y a un hors-jeu différé. Voilà, la poker sortie de la zone. Saïba qui manque son contrôle, mais offside. Konstantinov pour l'Union soviétique. Sergei Makarov. Krutov. Ah, Krutov, ça ne passe plus. Faut que récupérer tout ça par Krutov qui le repère. Janetsky. Kadet. Makarov. Le puck restera dans la zone, mais il est récupéré maintenant par Yiri Seiba. Koudas. Kazatonov. Larionov. Konstantinov. Konstantinov sur la droite. Makarov. Kazatonov. Et on va se retrouver dans la zone de défense de l'équipe tchécoslovaque après ça. Kamensky. Valek. Serban. Romutov. Bikov. Romutov. Et Kuchera pour la Tchécoslovaquie. Kuchera qui a bien passé. Et un tir contré par Melnikov. Une belle occasion ici pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Attention alors maintenant à l'inverse, c'est Romutov. Et deux minutes. Contre un joueur. Vlar. Alors c'était bien joué de la part de Vlar à destination de Kuchera.
Nemtsov, Kmilev. Kmilev. Alors Kmilev toujours. Vartalnov, ça se durcit un peu. C'est l'intervention de Monsieur Hearn, l'arbitre américain. Je vous rappelle qu'il y a un arbitre suisse ici, c'est Vinnie Böcklin. On engage Skamensky. Romutov, Kamensky encore. Chiriaïev. Et un peu de confusion devant la cage de Dominique Hachek. Le puck est toujours soviétique. Kamensky et les Tchécoslovaques à 2 contre 2. Rutschitska. Rutschitska qui parvient tout de même à tirer. Chiriaïev. Et dégagement interdit sur la droite des buts de Mogilny. De Milnikov, pardon. Sergei Milnikov. Mogilny, il est sur la glace avec son numéro 10. Fedorov, Saïchba. Attaqué par Mogilny. Mogilny qui remet derrière lui. Et cette fois, l'occasion était belle. Fedorov, ce n'est peut-être pas terminé. Ah, Fedorov, c'est vraisemblablement la plus belle occasion depuis le début de cette rencontre à l'actif de l'Union soviétique. Là, les joueurs de Pavel Vol ont eu chaud. On va revoir ce tir et puis Fedorov qui reprend, la cage était vide. Ah, il a voulu bien faire Fedorov, lui aussi un jeune joueur de cette équipe soviétique, il a également 20 ans, Sergei Fedorov, il n'a même pas 20 ans, il aura 20 ans le 13 décembre de cette année, avec lui, avec Mogilny, il y a quelques joueurs de grande valeur là, Makarov, c'était pour Krutov encore, Makarov, Goussarov et Dominique Hachek qui n'est toujours pas battu. Alors on a vraiment le sentiment que depuis quelques instants les Soviétiques ont passé la vitesse supérieure. Ils sont décidés maintenant à faire la différence. Sont toujours 0 à 0. Alors on va engager, bien entendu, dans la zone de défense de l'équipe Tchernov à l'engagement face à Hachek. Et le bouquet soviétique. Hachek encore. Tir de Tchernov, mais Dominique Hachek reste intraitable. Encore 2 minutes et 10 secondes. On en est toujours à 0 à 0. Ah, si on devait en rester à ce score de 0 à 0, eh bien, il faudrait remonter dans les championnats du monde à 1982 pour retrouver un match qui s'était terminé 0 à 0. C'était à Helsinki entre l'URSS et la Tchécoslovaquie, entre ces deux mêmes équipes. Ah, il faudrait sans doute un but pour que cette rencontre s'anime quelque peu.
Fetisov. Goudas. Fetisov. En minut återstår av den andra perioden. One minute left of the second period. Milev. Vartalnov. Stavjana. Bikov. Vartalnov. Alors où est-il ce puck? Il est toujours soviétique. Stavjana. Goudas. Eh bien, on en restera à 0 à 0. Aucun but de marqué donc au cours des 40 premières minutes de cette rencontre qui n'est pas très très palpitante, il faut bien en convenir. Alors on espère bien sûr qu'avec ce score de 0 à 0 qui permet toutes les possibilités de la période, on espère que cette dernière période sera un peu plus animée et un peu plus attractive. Rendez-vous donc dans une quinzaine de minutes. C'est la troisième période, la troisième pénalité contre l'Union soviétique depuis le début de la rencontre, contre 4 à la Tchécoslovaquie. 0 à 0 donc. Sur la glace, il y a Makarov, Krutov, Chiriaïev et Fetisov. Rudzinska. Et puck sorti. Vartalnov a été pénalisé pour coup de coude. Alors que les deux équipes sortaient de la patinoire à la fin du deuxième tiers. Dans l'image Krutov, vous l'avez aperçu, qui est à l'engagement. Sherman. Stavjana. Siger. Fetisov. Et le puck n'est pas sorti de la zone. Svitek. Svitek, Rutitska. Retour à Stavjana. Il y a Chabat à gauche, il y a Rutitska sur la droite, Rutitska toujours. Oh, qui s'est fait utiliser le puck de manière assez subtile par Chiriaïev. Ah, pour la Tchécoslovaquie, un match nul serait certainement une bonne opération. Belle ouverture pour les Tchécoslovaques. C'est manqué. C'était Saïba. Encore 25 secondes de pénalité contre le jeune Vartalnov. Kazatonov. Pikov. Voilà, les deux équipes maintenant sont au complet. Vartalnov regagne la glace. Rochatka. Bikov. Romutov. Bikov. Yashin sur la droite. Bikov encore. Et Bikov qui ne passera pas. Il ne passera pas coup de chier. Hein. Valek. Valek qui parvient à remettre devant la cage. Et puck bloqué par Gusarov. Bon, tout à l'heure de Janetsky.
Alors les Tchécoslovaques ont également accéléré maintenant le jeu et se sont créés deux ou trois belles occasions. Sherban encore. Jelinek qui oublie le puck récupéré par Sergei Makarov. Makarov, Larionov sur l'extérieur des buts. Et dégagement interdit. Kamensky. Gusarov pour l'Union soviétique. Kamensky derrière la cage. Bikov. Janetsky face à Bikov. Goudas. Fetisov. L'ouverture était belle pour Bikov. Robotov, tir contré. Bikov. Chiaïev. Kron, Staviana. Valek. Valek. Et Mogilny pour l'Union soviétique maintenant. Mogilny avec Fedorov sur la droite. Ah, Mogilny toujours. Qui perd le puck. Contre-attaque des trois Tchécoslovaques, trois soviétiques. Et un tir sur l'extérieur des buts de Mogilny. Sonné Patelik Kouchera. Fedorov. Chiaïev. Fetisov. Mogilny. Fedorov. Mogilny. Ah, ces jeunes Mogilny et Fedorov sont vraiment remarquables. Fetisov. Fetisov à côté de lui, Kazatonov. Milev. Milev. Nemchinov. Konstantinov, Kmilev. Kmilev aux prises avec Pacha. Et c'est le Slovak Prochatka. Sans vraiment inquiéter Milnikov. Konstantinov. Konstantinov. Rachak. Et il y aura une pénalité contre un joueur tchécoslovaque. Milnikov quitte la cage. Pénalité différée. Monsieur Hearn a sifflé maintenant. Franciszek Prochaska de Litvinov. Robotov. Kamensky. Kamensky, Chiaïev n'arrive pas. Vlach, Fetisov. Les deux équipes au complet. Kamensky. Et Milnikov qui relâche. Le puck retombe devant sa cage. Fetisov. Bikov. Kamensky. Romutov.
Kamensky encore, et puis Kuchera pour l'Union de la Tchécoslovaquie. Même pas 8 minutes 50, Fedorov. Karatanov. Fedorov. Yashin. Karatanov. 8 minutes 30. Saviana. Dégagement interdit. Package. À nouveau un dégagement interdit. Fedorov toujours, Karatanov. Passe pour Yashin qui n'arrive pas. Staviana. Beaucoup d'arrêts de jeu à nouveau. Ça n'aura pas. Encore dégagement interdit. Alors vous entendez le public n'est pas du tout. But pour les soviétiques de Bykov. Au revoir. Je dis que Hachek est battu sur ce réussite soviétique. Bykov 1 à 0 après 13 minutes 30 de jeu. Alors il reste 6 minutes 10 au Tchécoslovaque maintenant pour essayer d'égaliser. Voilà qui devrait animer un peu la rencontre. Karatanov, Bykov, l'auteur de ce but. Kalets. Kalets, Fedorov, à côté de lui Kamensky. Fedorov qui passe. Il parvient à tirer, mais à l'extérieur des buts. Gusarov. Gusarov toujours. Romutov, Fedorov. Janetsky et 2 minutes. Deux minutes contre Kamensky. Valérie Kamensky, 2 minutes donc, à quelques 5 minutes 18 de la fin de cette rencontre, but de Bykov.
13 minutes 36 dans cette troisième et unique et ultime période. Macaron. Bacha pour la Tchécoslovaquie. Saïba. Fetisov. Prochatka. Fedorov. Fedorov, son dégagement ne permet pas au Pog de sortir. Saviana, et cette fois-ci le Pog de la zone de défense des Soviétiques. Bacha. Encore 40 secondes de pénalité contre Kamensky. Konstantinov sorti de HL. Yachin ici sur votre image. Saviana. Tikov. Sherban. Putitska. Milnikov, Rodzicka, le peu qui va rester sur le Slovaque. Doležal, Staganov, Vitek. Vitek, Stagana, Rodzicka. Son tir contré par Biakin et puis Kamensky. Kamensky qui ne passe pas. Sherban. Sherban à nouveau. Ah, les Soviétiques à la ligne bleue maintenant sont à Krutov. Makarov. Offside de Kuchera. Fetisov, Krutov. Krutov sur la gauche, Lionov. Oh, les Soviétiques maintenant, évidemment, attendent la fin du match. Encore une minute maintenant. Makarov. Krutov. C'était bien joué pour l'Ionov. Fetisov. Makarov. Makarov qui veut peut-être en faire un peu trop, mais il va tout de même donner à l'Ionov. L'Ionov fait bien côté de lui. Makarov sur l'extérieur des buts. L'Ionov. Deux lignes. Alors encore 1 minute 20, toujours 1-0 pour l'Union soviétique, qui se satisfait pleinement, semble-t-il, de ce résultat. Contrôle le puck, conserve le puck. Chercher à véritablement marquer un deuxième but. Ok, je suis de Slovaque peut-être, Bilnikov. Sergei Milnikov, qui n'est plus tout jeune, puisque Milnikov va avoir 31 ans. Merci.
Alors les Tchécoslovaques demandent un temps mort, il reste peu de temps à jouer et Pavel Vol va bien entendu tenter le tout pour le tout pour essayer d'arracher l'égalisation dans cette rencontre. Sur le banc, il y a donc 6 joueurs de champ tchécoslovaques pour 1 minute et 2 secondes à jouer. Il y a la première, le premier bloc tchécoslovaque avec en plus Hašák. Et peu ressorti Fedorov. Fedorov, Kamensky. Et un joueur tchécoslovaque reste sur la glace. Hašák. Qui a perdu. Hašák qui se relève maintenant encore 43 secondes. Mais bien entendu, Dominique Hašák a regagné sa cage puisque l'on va engager dans la zone de défense des Tchécoslovaques. Petuzov. Makarov, Krutov, Makarov. Et puis Puck tchécoslovaque, à nouveau en dehors de sa cage, bien sûr. À nouveau 6 joueurs de champ, donc. Makarov, Kuchit. Le Puck ressorti de la zone. Larionov, encore 20 secondes. Ah, ça va être difficile pour les Tchécoslovaques qui mériteraient pourtant d'arracher l'égalisation hors jeu. Larionov. Eh bien, on va en rester à 1-0. Voilà, le match s'achève. Les Tchécoslovaques battus, mais la tête haute, battus par un seul but. Ce but de Bykov marqué donc après 13 minutes 36 dans ce troisième et dernier tiers-temps. 0-0 après le premier tiers, 0-0 après le deuxième tiers-temps. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette rencontre. Je vous donne rendez-vous vers 19h20 sur cette chaîne sportive pour le match entre la Suède et le Canada. Je ne sais pas si nous allons pouvoir suivre maintenant l'hymne national soviétique et la remise.